Donc le chou-fleur. On coupe le bout. On enlève les feuilles, hein, forcément. Alors ça, on peut le mettre dans le compost aussi, ça marche. Hein. C'est un peu fibreux à manger, c'est pas très bon. Voilà, le but c'est d'arriver au cœur là. Arrivé là, on va le couper en deux parce que ça sera quand même un peu plus facile. Et alors comme ça, entier, on va le cuire à l'eau. Donc, comment on voit que le chou-fleur est cuit? Tout bête. Un couteau. On pique le couteau en fait dans le centre du chou-fleur. Si ça rentre comme dans du beurre, c'est que c'est